شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Le thème aujourd'hui c'est face à l'épreuve. L'épreuve, ces bantes, ils font partie de la vie, du quotidien, ici, mais aussi comment nous trouver ailleurs au monde. Et en ce moment même, depuis quelques mois, nous trouvons un événement qui peut arriver à Gaza, en Palestine en particulier. Et une bonne chose qui est capable, chaque être, chacun parmi nous, nous capable d'y demander nous-mêmes, nous dire, mais qui fait ça peut arriver? Et même, il est possible qu'il nous pose nous la question, mais qui fait bondir Allah subhanahu wa ta'ala, il laisse, il permet bonne chose pareille. Est-ce qu'il, bon Dieu, parce qu'il est capable, empêche, par exemple, ça va un massacre, ça génocide, ça va une injustice qui est difficile, franchement, nous décrire, nous qualifier. Au fait, la réponse, bien sûr, c'est un test, c'est une épreuve. Comment nous lire et nous comprendre le Coran, Allah crée nous, Allah crée la mort et la vie, pour tester qui parmi nous est meilleur, qui est meilleur dans bonne action. Mais une chose qui ne pas empêche nous, qui nous pose sa question, mais qui fait de ça que chose là arrivé? Est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala pas capable en pèse sa banne, quelque chose qui vraiment est bien douloureux, est bien dire pour nous subir, pour nous guetter, et pour nous ici même, imagine banne qui peut passer sa banne injustice là, banne qui peut subir sa banne persécution qui nous trouvait là. Mais nous bien connaît qui, et nous connaît qui dans l'histoire, il n'y a personne qui ne subit plus de banne test qui, banne envoyé de Dieu, banne prophète, et banne qui est plus proche avec le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, dans le Coran, dans Surah Muhammad, Surah 47, au début même, la question se posait. Une question, c'est qui Allah subhanahu wa ta'ala, concernant la guerre, donc ça sera là révélé quelques temps après Badr, la guerre de Badr. Allah subhanahu wa ta'ala veut dire concernant la guerre, et une réalité, c'est que c'est une façon, Allah subhanahu wa ta'ala, s'il est en vie, lui-même, il est capable d'établir la justice, lui-même, il est capable de punir sa banne qui peut commettre sa banne oppression là, lui-même, il est capable de prendre sanction, lui-même, il est capable, on évite ou empêche qu'il banne là, faire tout sa banne injustice, tout sa banne dominaire, tout sa banne oppression là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala rappelle-nous qu'il peut faire ça tout simplement pour tester nous. Pour tester nous et surtout, un djimoun tester un autre djimoun. Pas un groupe djimoun tester ben les autres djimoun. Donc, à travers sa test-là, effectivement, déterminer qui s'en a l'eau la vérité, qui s'en a qui fait ça, patience, persévérance, qui s'en a qui juste, qui s'en a qui vraiment se tient à la foi. Mais il y a une chose tout le temps, nous vous en rappelle, la yukalifullahu nafsan illa usra. Allah pas pu tester personne. Une façon qui, ça du monde là, pas capable de signer, Allah pas mettre fardeau plus exactement, lors quelqu'un qui n'est pas capable de signer. Il est capable d'arriver dans certains cas, nous trouvons un du monde, une communauté, un groupe du monde, d'autres peuvent subir, mais capable, d'autres même ou les autres, ils mettent un fardeau qui est injuste aux autres. D'autres même, moi-même, par exemple, mon cas, prend un fardeau qui, on pas supposé prendre. Et effectivement, me trouve moi dans une situation difficile où un groupe du monde cause une certaine persécution, un autre groupe du monde. Donc, ça, des dimensions-là, il est important que l'épreuve, là, c'est façon pour distinguer qui s'en a qui meilleur dans bon action. Et Allah, pas pour mettre le Créateur, pas pour mettre un fardeau, l'oki, ken, qui peut katini. Et ensuite, dans le Coran, y compris nous faire référence sur Surah Muhammad, un rappel que la vie sans le monde, là, c'est pas tout. Quand nous trouvons une persécution, nous trouvons l'hypécontien pendant 70 ans, 75 ans, comme le cas de la Palestine, mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Il est indispensable que dans nos compréhensions, nos réflexions, nous comprenions qu'il y en a aussi le delà, akhirat. Parce que si nous guettons uniquement qui peut arriver dans ça, le monde-là, ça va être cela, et nous contentons-nous de ce qui nous peut réaliser, nous peut trouver comme un résultat ici, dans ça, le monde-là, capable
effectivement, nous pas pour trouver un sens à ça qui peut arriver. Nous pas pour même comprendre qui Allah subhanahu wa ta'ala, il fait une promesse, il pas promettre fort de l'eau qui canne qui pas continuer. Mais c'est seulement quand nous comprenons akhirat, l'au-delà, et ça, il donne vraiment tout ce dimension, tout ce sens à sa main épreuve qui est inévitable pour moi, pour vous, pour tout le monde. Merci. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.